On se retrouve pour l'épisode 3 de Palworld, après avoir fait la tour du syndicat de Reign. Maintenant, où je vais aller? Ça, c'est la question. Hein. Il y a beaucoup de choses. Je pourrais commencer à explorer cette zone là-bas. Pourquoi pas? Voilà, comme ça. Ça me paraît être intéressant. Très intéressant, même. En même temps, si je prends... Et que je dépense des bols pour rien. Bon, oui, maintenant je peux prendre effectivement, reprendre la pioche en métal. À la place de l'arc du poison. Arc du poison, arc de poison qui a été très utile. Hein. Ça va quand même grandement aider, c'est bien d'empoisonner les gens. Enfin, d'empoisonner les ennemis, pas les gens. Hein. Ou les gens aussi, hein, que vous savez, hein, certains aiment bien ça. Mais là, on voit quoi? On voit les braconniers. Les braconniers. Bon, allez, on va aller sauver les pauvres. Ils ont des guns. Oh, j'ai des Pokémon. Viens ici, toi. Voilà, on va défoncer ta gueule. Donc voilà. Un pal terrifiant. Qui pond des œufs C4. Ouais, c'est vrai que ça fait peur. Bon, tout ça pour dire que c'est bien, mais c'était pas la direction dans laquelle je voulais aller. Bon, je veux aller là. Il saute, hein. C'est une boule d'énergie, ça. Tu vois l'apparence, ça a l'air d'être de la merde, mais quand même. Viens ici, feu, là. Viens ici, le rouquin. Comme dirait certains. Allez, viens ici. Bon, c'est vrai que j'aurais pu l'attraper. C'est vrai. Bon, je vais le faire la prochaine fois, on verra. Bon, après là, le problème hein, avec les trucs de poids... C'est ça, en fait, qui est chiant. C'est que quand t'as pas beaucoup de... Tu me diras, je peux faire un coffre. Mais le problème, c'est que les coffres, après, tu les dissémines un peu... Tu les décimes. Non, tu les. Comment dire le terme? C'est disséminer. Disséminer. C'est ça le terme que je cherchais. Un peu partout. Et après, tu te rends compte que c'est. Voilà, c'est un peu la merde, quoi. Tu les retrouves pas. Attends, attends, y a quoi ça? Y a un boss là. Niveau 15. Ah, niveau 15, ça se tente. Ça se tente. Ça peut se tenter. C'est vrai qu'avec le paravoile, c'est un peu plus pratique. Pas vite là-bas. Quand même, elle part vite. Bon, faut manger un peu. Allez, régénère-toi. Putain, juste au moment.
Ça pouvait quand même un peu marcher. Voilà. Ouh là là, ça c'est joli ça. C'est presque annonciateur de quelque chose, domaine de l'oiseau de glace. Entrer dans le donjon, donc carrément. Parce que attends, si c'est oiseau de glace, donc du feu, ça devrait aller. Allez. Je rentre dans le donjon, hein. Ah d'accord. Bon, lui, je vais essayer de l'attraper. Alors, il serait quoi, lui? Ouais, donc j'ai aucune chance de l'attraper. Pen King, donc c'est eau glace. Eau glace. C'est vrai que j'ai pas de type. Enfin, parce que c'est vrai que il n'y a pas de type, enfin, de type combat ou quoi, mais là où putain ça va être des hauts glaces. Parce que déjà j'ai quoi? Parce que si on regarde ce que j'ai comme Pokémon. Enfin Pokémon, comme pâle, mais bon, c'est on a compris. Plante dragon, c'est du x4. Plante, ça, c'est du x4. Donc là, c'est vrai que contre la glace, je suis pas tellement. Bon, allez. Allez. Allez, attrape-le. Allez, voilà. Allez, le combat va commencer. Oh là là. Oh, je vais prendre l'arc. Oulala. Oh là là, c'est violent là.
Donc là-bas, il y a la statue là. Donc voilà, faut que j'attende que l'autre il se régénère là. C'est pour ça que je suis allé voir directement la statue. Bon, je vais aller chasser un peu du. Bon, je le veux pas dans mon équipe, hein, le niveau 4, hein, qu'on soit clair, hein. Voilà, faut attendre 3 minutes encore. Bon, déjà l'autre, je vais le poser dans la boîte du coup. Crémis. Oh putain! Oh putain, ça va. Quand même, là, tu dis ça. Tu vois ça, tu dis là, ils vont m'attaquer là. Bon, ils m'attaquent. Bon, ben. Je vais devoir leur mettre la misère. Je vais devoir les tuer tout simplement. Ah, vous êtes des nuls, ça va. On te met un truc un peu stressant pour des trucs de merde comme ça là. Voilà, clé en bronze, ça c'est bien. Donc voilà, ça aura fait la distraction du moment. Attends, qui protège mon camp du coup? Voilà, niveau 5, donc il a monté de niveau, il monte de niveau, c'est bien. 1 minute 36. Bon, il y en a un qui va venir m'aider là, non? Attends, ils sont passés où là? Viens travailler là. Ouais, tu travailles pas. Il a l'air d'avoir faim. Oh putain. Bon, je dois faire tout moi-même, c'est ça. La maladie, dépression, carrément, dépression. Allez, viens. Enfin, je veux bien te nourrir, mais bien ici à un moment donné. Voilà. Allez, viens ici, toi. Tu veux manger aussi, mais ils ont faim ou ils ont pas faim en fait? Bon, ils bossent. On va le laisser bosser. Voilà, je pense qu'une minute s'est passée. Allez, je te récupère, toi là.
En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la nuit parce que vu qu'il y en a qui dorment, je pourrais les attaquer par surprise quelque part. Donc là, faut que je vois si je peux attraper encore des pales. Bon là je suis trop lourd. Bon, la vitesse à laquelle il va, à laquelle elle va. Bon je vais aller les poser dans le bac. Hein. Me téléporter, c'est pour ça que j'ai dit. Alors c'est vrai qu'en commentaire, parce que j'avais mis sur TikTok la vidéo en disant que le système de téléportation était merdique et on m'a répondu oui, bon c'est un accès anticipé et tout ça. Mais les mécaniques de téléportation... C'est quand même des choses qui sont connues. Alors, comme je disais, le but c'est que c'est pour moi c'est pas Star Citizen. Putain, j'arrive même pas à le dire, tu vois. Star Citizen là, putain, non, c'est pas ça. Parce que je me dis, bon, ok, il y a du réel, mais quand même, c'est assez handicapant parce que tu te dis pour aller chercher quelque chose, déjà rien que le concept des boîtes là. Faut que j'aille là, faut que j'aille dans le coffre, faut que je sélectionne là les minerais, que je les mette ici. Donc c'est quand même assez handicapant, un peu quand même. Ça, il y a un côté immersif, ok, un côté, il y a le côté à la fois, il faut réellement tenir compte de son environnement et qu'on peut pas prendre comme on veut, mais quelque part ça te coupe. Parce que toi tu te dis, t'as envie d'avancer dans l'aventure et tu dois toujours être lié à des considérations matérielles comme ça. C'est un peu fatigant, quoi. Bon, je vais aller affronter ça, là. Moi, je vais mettre un petit poison là. Ça marche bien sur ça. Ah, mais c'est vrai que c'est dragon. Avec la glace là, je vais l'enchaîner avec la glace. Avec la glace, ça va être violent. Voilà. La glace, ça marche bien. Parce que c'est vrai que tu vois, tu te dis, c'est un type. Bon, c'est de la plante, quoi, mais il n'y a pas que ça.
Ah voilà. Voilà, je l'ai attrapé, ça c'est bien. Bon, j'ai pas parlé beaucoup parce que j'étais concentré. Mais voilà, ce qui est quand même une preuve du fait que c'est bien ces épreuves. Et là, bien sûr que je vais aller le choper là. Enfin, je l'ai chopé, mais je vais le mettre dans l'équipe, hein. Parce que quand même, il est balèze, le bâtard. Donc voilà, j'ai fini l'épreuve. Maintenant, je sors d'ici. Je me barre. Donc là, il faut que j'aille. Bah, déjà que j'aille le récupérer dans la boîte. Ah, mais c'est pour ça que je. Peut-être que je radote, et sûrement. Mais le fait que. Après, peut-être qu'il y a une mécanique que je ne comprends pas encore. Mais le fait d'aller chercher les Pokémon. Enfin, les Pokémon, les pales. Qu'il faut aller dans la boîte, dans la base, là, ici. C'est. Franchement, ça casse l'immersion, quoi. Parce que tu te dis, t'es quand même obligé de. Pokémon, ils avaient ça avec la boîte. Bon, ils avaient les boîtes PC, mais après, ils ont réglé ce problème. Donc, c'est vrai que Pokémon, il y a eu ça avant. Donc, mais là, bon, lui, il faut le foutre là. Voilà. Voilà, on voit quand même qu'il a une grosse défense, quoi, celui-là. Au glace. Là j'ai Dragon Glace donc bon voilà quoi. Mais bon quoi que là tu me diras c'est bon. Je peux le laisser lui. Le feu. Mais c'est vrai que lui il est pas très fort hein. Bon je l'aime bien, c'est. Mais on va devoir le changer un jour. Parce que il a pas trop. C'est vrai qu'un Pokémon feu, c'est ce qu'il me faudrait quoi. Mais un plus puissant que celui-là. Bon, faut que je mange visiblement. Parce que c'est vrai, moi je fais comment pour moi? Parce que moi, faut que je mange ça là. Si je mange ça, est-ce que ça va me redonner un peu plus de vie? Ou faut que j'attende? Ouais, faut que j'attende un peu, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, j'ai fait le donjon là. Et du coup, ça veut dire comme je dis, hein, je voulais avancer un peu plus loin dans la carte parce que j'ai dit voilà ici. En tout cas, toujours avancer là-bas, mais visiblement, vu que je peux pas trop nager. Ah oui, l'autre, faut le laisser, c'est vrai, putain, tu vois. C'est comme je dis, c'est pour ça que c'est. Ce côté de boîte, de trucs comme ça, là. Bon, Pokémon, t'es allé dans un centre, tu vois. C'était réglé, mais là. Bon, en fait, faut multiplier les points de téléportation, hein, ça c'est sûr. Donc là on a. Ah oui, là j'ai envie d'aller en haut là, avec ça. Bon là il y a de la fumée, ça veut dire qu'il y a quelqu'un.
En fait, c'est ça, faut vraiment attraper des pales. Faut vraiment les attraper parce que sinon tu montes pas de niveau en fait. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Ah, donc là il y a le pont là. Enfin, je dis le pont comme si je savais qu'il y avait un pont. Hein. Je cherchais même pas, mais j'ai trouvé. Là, visiblement, nouvelle zone. Ah, il y a un œuf là. Ou un caillou. Mais ça a l'air d'être un œuf, vu de là. Ah, tiens, un nouveau, un papillon là. Ouh, 19. Bon, je vois que là, ça a l'air d'être une zone un peu plus élevée en termes de niveau. D'ailleurs, je vais aller voir le téléporteur là. Parce que si c'est pour me faire piéger. Ah, une clé en argent. On dirait des... Bon. C'est des chasseurs ça ou... Oh putain, c'est des... Ah oui, ligue... Ah, ligue de... Protection. Mais moi je suis protection là, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Moi je suis protection, toujours protection là. Bon. Ouais, là c'est embuscade là. Ah là là, on est monté là.
Ah, éclat draconique a pris. Ouais, ça a l'air puissant, ça. Attends, je vais voir ceux-là, là. Ah, ils se battent entre eux, là. Ah oui, ligue pour la protection des pôles. Bon, là... Ah oui. Allez, attaque-nous. Allez, attaque. Allez, arrête d'être bloqué là. Arrête d'être bloqué. On va mener une petite attaque là. Ah oui, c'est vrai que je l'ai retiré. Allez, 7% un coup. Putain. Bon, là c'est vraiment faible. Hein. Ah voilà, allez, un deuxième coup. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça. Ça c'est bien. Quand même le coup de tu lances la Pokéball, en fait tu lances la Pal Ball, je trouve que c'est bien fait quand même, ça t'incite à... Ah oui c'est vrai que là putain il va se faire... Du coup il est KO maintenant? Ah oui là il est mort de faim là. Mais là, on voit que. Ouais, c'est assez difficile, hein. Et comment tu peux avoir 1%, quoi? C'est vraiment... Allez, fais un tour au moins. Un petit tour au moins. Voilà. Voilà. En plus là, je veux pas l'autre là. Bon, maintenant je vais aller me rendre encore. Bon, je vais me rendre à la boîte, donc du coup j'accélère rien, je pense. Donc niveau 20, bon, ce sera pas niveau 20.
Ah, c'est vrai qu'ils bossent pour moi, j'avais oublié ce détail. Bon, je vais aller les poser dans le carton là. Donc là, on avait vu qu'il y avait le boss, hein. Enfin, niveau 30. Bon, pour l'instant, je suis pas assez bon, on va dire. Niveau 20, j'arrive à gérer. Il y a ça là. Balle de pistolet, mais j'ai pas encore de gun. Un pigeon. Ah oui, là, il lui rentre dedans, là. Bon, allez, attaque-le, va. Pas envie de me faire tuer.
Tu me diras, je peux affronter ça, mais c'est plus simple, hein. Oh putain, le niveau 25 là, il va me défoncer, hein. Balle sombre apprise. Bon, je pense que ça, c'est une zone qui est un peu trop forte pour moi pour l'instant. Donc là, il y a une tour là-bas en plus. Là-bas, il y a une tour. Une tour, en fait, c'est les tours, ouais. Mais là, j'ai un donjon. Donc ça, c'est 16. Donc ça peut se gérer, ouais. Ça, c'est 20. Bon, allez. Ouais, ça, je peux à peu près gérer. Comment tu le défonces? Allez, un petit coup là. Allez, un autre. Voilà. Voilà que je chope des points d'expérience, c'est bien. 302. Après, j'ai ça, mais ça, c'est niveau 25, ça. 24. C'est trop puissant, là. Trop puissant. Bon, ça... Tiens, c'est quoi, ça? Ah oui, ça, c'est... Ouais. Parce que là, comme ça... Ah oui. Là, ça multiplie par 1,70. Donc là, ça veut dire que ça est fois 10, fois 20, quoi. Bon, du coup, vu que ça, je peux les faire en 1 contre 1 si je... Parce que si je réveille pas... Je vais faire un truc, c'est que je vais faire en 1 contre 1. Bon, allez. Je vais les prendre en 1 contre 1 tous. Voilà. Voilà, comme ça. Donc les autres, s'ils dorment encore là. Là, je peux me faire une bonne... Attends, ça c'est quoi ça? C'est les...
C'est les bâtards de la ligue là, on en a rien à foutre de celui-là là. Donc là, j'avais dit ouais que j'aille trouver un peu des téléporteurs pour visiter un peu plus l'île, mais les combats je les ferai après, hein, je pense, parce que là, je vais pas trop faire le poids. Alors je pense que je ferai en off des choses, mais ce sera des captures, des choses comme ça, hein. Mais là, j'en vois un là-bas tout au fond. Ouais, là ça va être un peu chaud d'y aller là. Ouais, je vais essayer, mais... Ah non, là j'ai pas besoin de nager, ça va. Ouais, coffre, est-ce que je peux l'ouvrir comme ça celui-là? Méga sphère, c'est bien. Donc là, je le vois, c'est en face, mais là, ouais, ça c'est du niveau 20, ça. Donc là, voilà, je vois que c'est la zone, c'est une zone qui m'est pas trop réservée, hein. Faut dire ce qui est. S'il me voit qu'il m'attaque là, en plus, tu sens que 20, 22. Ruisseau feuillu. Ah, tu sens qu'ils sont belliqueux. Ça, je peux l'ouvrir? Ouais. Niveau 30, mais bien sûr, oui. Je vais me faire tuer, c'est tout. Bien que là, ils veulent me tuer. Bon. Allez, je vais essayer. Dragon, ça. Dragon haut. Enfin, dragon plante. Oh putain, ils m'ont mis KO. Et ils m'ont mis KO aussi en prime. Bon, va falloir qu'ils retournent pour récupérer l'équipement.
En plus, le pire, c'est que je me retrouve dans une situation où je vais me faire tuer avant de pouvoir me téléporter, en fait. Je me retrouve dans une situation où je peux me faire tuer avant de me faire téléporter. C'est là où tu te dis le truc. Et oui, je suis venu pour récupérer quelque chose et je me fais tuer, en fait. C'est... Ah, c'est génial, putain, ce truc. Non, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller... Je vais essayer de voir si j'attrape des... Bon, je vais attraper des pales et tout ça pour avoir un peu pour augmenter en niveau. Et je vous retrouve après. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté un peu le niveau de tout le monde. Là, je vais aller dans le donjon, on va voir ce qui se passe. Ce sera le deuxième, niveau 13. Quoi, 110 minutes, ils mettent. Ah oui, là, c'est vraiment... Ah oui, aussi, j'ai vu comment on peut s'accroupir maintenant. En fait, faut laisser... Faut appuyer sur B, mais faut le laisser appuyer longtemps. Ah voilà. Ah tiens, des braconniers. Oh, il est sorti. Bon, bref. Tu as choisi la mort alors. Attends, lui il peut. Lui il peut faire des sauts par contre. Bon, tu vas mourir, oui. Débloqué, tu vois, des fois il est bloqué comme ça, comme un con là. Hey, mais il est dans le mur en fait. Il est bugué, il est dans le mur en fait.
Comment il rentre dedans, j'adore. Ah là, la musique s'estompe. Ah, du charbon. Bon, mon arme, faudra que je la répare. Tiens, tiens, tiens. Bon, ils sont buggés là. Bon, il est pas rentré dans le mur cette fois, mais. Oh. Bon, ça fait pas trop de dégâts, c'est pas le coup. Putain, je suis mort, j'ai même pas vu mes trucs de vie, hein.
Ah, il est mort a posteriori. Encore buggé. Il est planté comme un plomb là. Bon, j'admets que je me perds là un peu, hein. Ah là, ça a l'air d'être plus intéressant. Ah là, un arbre déjà, je dis, c'est plus joli. Ça présage de quelque chose de mieux. Ah ben là, il y a le gros là. Voilà. Ouais, mais...
Ouais, il me court après. Moi, je me suis barré trop loin, je pense. Bon, je vais revenir, mais ouais, j'ai pas grand chose à manger là. Est-ce que ces points reviennent? Non, ces points normalement ils restent. Ou alors est-ce qu'ils... Ah voilà. Voilà, le dépresso contre le dépresso géant. Mais là, en plus il y en a trois des bâtards là comme ça. Ah non, il y a lui, ça va. Bon, je vais utiliser ça pour l'attraper. Allez. Voilà. Voilà. Ça c'est bien ça. Bon du coup, ça veut dire que ça y est, j'ai fini le donjon quoi. Mais comment je me casse d'ici? Attends, y a pas un truc là? Attends, si là il y a l'escalier. Donc je pense que je me casse par là-bas, non? Y a des coffres en plus. Bon, j'ai trouvé le cristal du coup. Voilà. Bon, mais ça y est, j'ai fini le donjon. Ça, c'est bien. Mais du coup, je vais m'arrêter là. Je pense que cet épisode, je vais l'appeler donjon parce que j'en ai fait deux. Enfin, j'en ai fait un. L'autre, j'ai attrapé le... Comment il s'appelle là? Le Pen King. Mais c'était pas vraiment un donjon. Mais là, j'ai vraiment fait un donjon, donc c'est bien. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Du coup, moi, je vous dis bye et à plus pour un prochain épisode de Palworld.